Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Shadow of War. Donc après le massacre de nos alliés dans le dernier épisode, je pense qu'il faut qu'on se refasse une armée, malheureusement. Alors, avant tout, pour les rares qui regardent la vidéo, je vais vous poser la question, vous répondez dans les commentaires, donc oui, il y a eu des mises à jour au passage gratuites. Dites-moi dans les coms, qu'est-ce que vous pensez du fait que je farme en dehors, par exemple, les différents capitaines, ou que je farme autre chose, ou que je farme... Conquête en ligne, d'accord, ok. Que je farme, je ne sais pas, moi... Enfin, que je prépare, en fait, simplement, l'objectif, c'est ça, que je prépare ces fosses de combat, à voir si ça vous plaît ou pas. Qu'est-ce qu'on a là? Zoon, le lacérateur. Tribu terreur. Ok. Donc en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va quitter cette zone. On va aller voir ailleurs si j'y suis. Donc voilà la map en tout grand. Qu'est-ce que c'est que ça? Torborn. Prison à jet de Sinarien est un port de mer de Nornen essentiel pour le commerce des esclaves du Mordor. Consultez le savoir. Qu'est-ce que je suis censé en faire? Ok. Ah, j'aurais dû aller voir Kate. Kate. Ok. Donc là, on est dans quête du Gondor. Quête de l'Arak. Mesurer les ombres du passé. Mais ils sont où? Quête du Gondor. Bon, bah... Bien des Gondoriens ont péri lors de la chute de Minas Tirith. Mais certains ont été faits prisonniers par l'armée de Sauron. Découvrez le sort d'Idril et de Barad-dûr. Ok. C'est parti, alors, on y va. J'imagine que c'est ça, la quête principale. Ouh, de la neige. Oh, j'aime la neige. Oh, on est en hiver, en plus, c'est cool. Oh, en plus, il y a de la neige dans tout Paris en ce moment. Je suis pas à Paris, mais... Dans toute la France. Enfin, dans le sud de la France, pour le moment. Oh, j'adore. Je veux ça aussi. Ça, je veux. Je veux faire fondre la neige. Est-ce que la neige va fondre? Est-ce que la neige va fondre? Alors, dites-moi au niveau du son. Alors, je suis à fond au niveau du son du jeu. Je le précise. Je vais le rechecker. Hein, on est ensemble, je vais le rechecker. Hop, vous voyez, regardez, hop, vous n'entendez plus rien. Je teste le son, là, dans le mélangeur, je suis à fond. Malheureusement. Et au niveau des options, alors, il paraît qu'il y a eu des modifications de fait au niveau des options. Mais, selon moi, ça reste toujours très faible. Bon, ça, c'est normal, je suis toujours en haute, sauf les textures que j'ai pas téléchargé la 4K. Mais voilà, je suis à fond au niveau du son, j'en suis désolé. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, si je puis dire. Alors, on y va. Du coup, nouvelle région, j'aime pas du tout ma cape. Oh, ma cape qui d'ailleurs est en train de geler. Est-ce que mon armure aussi? Un petit peu, peut-être. Je sais pas. Ok. Immortel. Immortel. Bon, bah, après tout. Eh. Hey. Cette forteresse abrite de nombreux magiciens. Ah bon? Heureusement que tu es avec moi. Des mages. Des mages, carrément. Bah, tu sais quoi? Libéré. Délivré. Moi je vais continuer à avancer. Libéré. Délivré. Bonjour. Je l'avais pas vu celui-là. Alors que je reprenne l'habitude. C'est décidé, je m'en vais. Allez, monte. Voilà, tu n'as rien vu. Un Tark. Mais non, je suis déjà parti tellement loin pour toi. Du coup. Alors apparemment, ce ne sont pas des idoles, ce sont des idoles, mais je ne peux pas les détruire. En tout cas, pour le moment, je ne peux pas. Apparemment, j'ai déjà aussi des gens avec moi, de mon côté. Ah non, il y a des humains. Il y a des humains dans le coin, ok. C'est une catastrophe. Non, c'est pas des humains, ça. Non, c'est pas des humains. Autant pour moi. Donc là, il y a un truc bleu. A disparu. Oh,
qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces trucs bleus? Oh, ce sont des... Des... Comment? Des Zolog Eye. Ok, non, c'est ça? Eh bien, on est d'accord. Apparemment, non. Bonjour! T'as des choses à me dire, on est d'accord, non? Bonjour, voilà. Dis-moi, comment s'appelle ton chef suprême? Shag le sorcier. Il est stylé avec son armure. Il a la tête fragile, le pauvre. Il est sujet à des grosses migraines et vous savez que j'adore donner du Doliprane dans ce... Qu'est-ce que... Ah bah oui! Raté. Non même pas, j'allais dire oui, c'est... Non même pas, je me trompe complètement. Ouh! Bonjour! T'as dit quoi? La montre? Ah non, ils sont... D'accord, bon, tant pis. Hein. Allons-y. Hop! On est bon. Ah! Brutalisation! Oh, tu prends tellement cher! Juste oublié de mettre le fameux plaid. Bon, je l'ai pas bien mis par contre, c'est pas le bon sens. Voilà, on va le mettre comme ça, c'est pas trop... Un petit peu moins... Hop, voilà. Encore un peu moins... Voilà, hop, on est pas trop mal. Du coup, on reprend. Suis-je au bon endroit? Je suis au bon endroit, on est toujours en enregistrement, c'est parfait, tout fonctionne, c'est bon. Quelqu'un semble m'avoir vu, ou en tout cas... Fais un peu de mon effet sur la langue. Tu... Ah, j'aurais pu. J'aurais pu le... Oula. Bonjour! Anti-saut, ok. Ok, bonjour. Là, tu sais quoi, regarde. Hop, là. On continue. Coalition. Ah, ah. Allez, venez me frapper. Vache, c'était quoi ça? Il est pas là pour parler, il est là pour t'écarteler. Et moi, pour cracher sur ton cadavre. Ils sont deux? Aïe, oh, connard. C'était quoi cette attaque multiple avec des trucs qu'il fallait... T'envoyer au cimetière. Hop, allez, viens là. Viens là. Tu es à moi, je te vois. Pardon. Recruté. Oui. Og l'homicide. Cool. Bah en retraite. Pas besoin de rester là. Oui chef. Hop, et le 1. Et le 2. Et 2, 3. Bah alors les mecs, on a peur. Potter. Wouah, je leur ai éclaté la tête. À tous les deux, hein. Genre ils ont perdu la tête. A perdu la tête. A retrouvé la tête. Au sol. Et tu y restes. Merci. Au revoir. On va prendre l'échelle. Ah bah... Oui, on va prendre l'échelle. Hop les... Si
puis ça, c'est pas du style. Oh bah merde, ils m'ont vu. Allez, vite, 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 vite. Oh, oh mon dieu, une marche. Comment puis-je? Attendez. Ah, loupé. Si c'est bon, je l'avais eu en fait. Tu es à moi. Oh, j'ai vu un délire. Du coup, qui est le sous-chef numéro 1? Ouh, ouh, il est stylé. Visuellement, il claque, hein. Flak le corrompu. Fuit de terreur si un de ses gardes du corps se fait tuer. Carrément. Du coup, si je le fais le trahir, enfin... ça va bien se passer. Non, par contre... oui, bonjour. Je te vois aussi. Y a pas de souci. Ça me fait tellement penser à Batman, ce jeu, des fois. Tu n'as rien vu. Appelez. On est... bon. Appelez. Crac. Boum. Ah, c'est pas cette touche-là. Où est Tiro Amorgnon? N'empêche, quand je vois cette image-là, je vois pas... je vois pas Celebrimbor, hein. Moi, je vois... il s'appelle. Ah merde. Annatar. C'est peut-être que mon avis aussi, hein, mais... ouh. Ok. Au cœur de la montagne. Il nous reste encore 2-3 choses à trouver. Hop. Ok. Why not? Alors j'ai pas vu les autres sur la carte. Parce que quand même, ce serait dommage que j'en ai loupé un. J'ai sûrement dû venir de par là ou pas trop loin. Je les vois pas. Ah si, il y en avait un là. Je suis du coup assez loin maintenant. Et donc il y a celui-là que j'ai. Celui-là que j'ai, il y en avait un ici. D'accord, ok. Donc je dois venir de là en fait. Un truc comme ça. Je ne sais pas. À voir. Donc nous devons aller ici pour l'instant. Hop. Les alliés. Ça me semble logique. Ici nous avons confrontation tribale du massacre. Ah oui, le capitaine de la tribu du massacre. Donc c'est une mise à jour gratuite. Ils ont sorti des mises à jour gratuites, donc je pense qu'ils ont bien écouté au niveau du retour des joueurs par rapport au 1, et c'est très très bien. Parce que c'est vrai qu'il y avait certains DLC du premier qui n'avaient pas lieu d'être des DLC en fait. Ok. Mais de volaille quand même. Te plains pas. Pas bien de se plaindre. Hop là. Kiki! Kiki! Hop les! Tellement de style! Hop les! Excuse-toi! Bon, on est juste à côté. On est bon. On y va. Un meurtrier invisible! Bien des Gondoriens ont péri lors de la chute de Minas Ithil, mais certains ont été faits prisonniers par l'armée de Sauron. Découvrez le sort d'Idril et de Baranor. J'aime pas le fait qu'il parle du sort. Bon, apparemment sur l'image on va les voir, mais... ouah, le framerate quand je chie pendant une cinématique. Tu te fous de ma gueule? Non? Non, c'est peut-être moi dans ma tête, hein. T'es sérieux? J'ai jamais joué en mode je me planque, hein. Du calme. Baranor?
Vous êtes vivant. Mm-hmm. Comment vous m'avez trouvé ? C'était facile. Vous laissez une belle piste d'orques morts. Ouais, je sais, ouais. Et Idril ? Elle a pu fuir Mina Sithil ? Je l'ai perdue. Une embuscade. Nombre de nos frères ont été pris. Certains ont pu se cacher. Les armées de Sauron nous pourchassent toujours. Idril est pleine de ressources. Mais personne ne survit longtemps au Mordor. Nous pouvons l'aider. Il faut juste que je la retrouve. Et ce qui reste. Pas de soucis. Retrouvons-les tous. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. C'est notre boulot, c'est notre job, on va le faire. Certains de nos soldats ont été aperçus dans ce camp. Prudence. Le danger nous guette. Oh. Bonjour. Oh merde, quelqu'un qui vient. Ah, j'ai plus ce qu'il faut. Bon, voilà, détache-toi. Il est temps de massacrer de l'Uruk. Hop là. Bonjour. Comment allez-vous ? Vous avez entendu quelque chose ? Ah ah. Ça marche. Ah oui, c'est vrai, ça marche plus. C'est chiant ça. Hop là. Il m'a toujours pas vu. Il m'a toujours pas vu. Ah bah il est mort. Bon bah écoutez, j'ai le temps hein. Merde, pas par là que je voulais aller. Pas besoin de garde du corps, dans tout ça moi. Pourquoi j'aurais... je peux te... Ah, il faut que je sois derrière toi, c'est ça. Hop là. Je t'en prie. Allez, un dernier. Ah, j'ai plus de flèches qu'avant, c'est cool ça. Mais non. Tiens, regarde, un petit peu de brutalisation, je peux pas, non ? Ah, je peux pas. Bon bah écoute, ah bah. Ah non, mais là je vais y arriver par contre, hein. Voilà, merci. Hop là. Coucou. Mais non. Ah bah faut savoir. Faut savoir. Rendez-vous à la crotte. Mais non, non. Talion, voyons. Tu sais ce que tu fais quand même. Par contre, ouais, cette cape. Cette cape. Alors, est-ce que j'ai des points à mettre ? Non. Cette cape, par contre, je l'aime pas du tout. J'imagine que ça va être une. Ouais, voilà, j'en doutais que ça allait être une bleue à tous les coups. Changer d'équipement. Est-ce que j'ai autre chose qui va avec ? 2 sur 2. Puissance rechargée que de 1 quand votre poison inflige des dégâts. Wouah. 16, 19. Tuer un ennemi à l'intérieur d'autres gars, monter, récupère 130 lorsqu'il meurt. D'accord, ok. Intervenir 65% par la munition de bêtes. Oh, je suis pas du genre à péter de la gueule à des bêtes, moi. On va prendre celle-là. On va prendre la plus haut niveau, tant pis, on s'emmerde pas. 25, on la garde. 23 aussi. 13, 13, c'est pas bon par contre, hein. On va la garder. 16 aussi. Celle-là est jolie aussi, hein, mais... 20. Geler un ennemi, les cibles ont 30%... Les coups critiques ont 30% de chance de geler la cible. Ouais, c'est pas intéressant. Bon, tant pis. On va rester avec ça pour le moment, c'est pas grave. Tant que je trouve pas de choses plus intéressantes, y'a pas d'intérêt. Ah. J'étais bloqué contre quelque chose. Bonjour.
Ah, j'aurais tellement dû lui faire un Zizi Sparta. Ah, attendez, il y en a un deuxième. Ah merde, il y en avait un deuxième. Je voulais le projeter de sa tour. Ça va aller. J'aurais besoin d'une pause. Il faut quand on... faire vite. Une fois avec Idril, fuyez vers l'ouest. Commencez une nouvelle vie. J'ai déjà vécu de vie. Je suis né dans la contrée d'Umbar, un Aradrim. Ça fait très loin de Minas Ithil. J'ai été envoyé au Gondor par mon ordre en gage de paix. Est-ce qu'on pense à les prévenir? Mais les Aradrim avaient d'autres ennemis. Qu'ils sont dans une base ennemie. Je devais rentrer, et mais... tape la discute. Lorsque j'ai eu 10 ans, j'ai perdu le contact. Ah merde, il n'y avait plus de réseau? J'avais la belle vie à Minas Ithil. J'étais respecté. Heureux. Mais c'est fini. T'as la même barbe que moi, on a besoin des poils de mouton. Alors c'est une troisième vie qui commence. Jamais deux endroits, de toute façon. La seule vie qui m'importe est aux côtés d'Idril. Oh, on va devoir se battre. Mais il faut son d'abord la cœur. Et son... Nous la véritable sens de l'honneur. Vous pensiez à quoi? Vous pensiez à quoi? Ah tiens, je viens de remarquer, cinématique, mais j'ai mes fringues. Ah non, j'avais pas mes fringues, je croyais. Enfin, les plus chanceux. Bah, il me semble que j'avais mon armure pourtant. C'est rigolo. Beaucoup de vos frères. Pas assez. Certaines semaines, on en perd autant qu'on en sauve. Tu courais des gondoriens. C'est bien, non? Ça te met l'eau à la bouche. Attends, tu suisses moi dessus. Ils n'ont rien vu, rien entendu. Si ça, pas trop toi. C'était pas la magnificence d'un Marcus. Honnêtement. Ok, ça m'a fait consommer bien plus d'énergie que prévu. Ah bah oui, c'est par... Ah non, merde, il y en a deux qui viennent vers nous. Viens par là. Pourquoi ça l'a pas achevé? Ma dague n'était pas assez puissante? Qu'est-ce que tu feras? Tourne au néant. Trop de style. Ok, ça c'est fait aussi. Allez, on les libère. Dépêche-toi. Capitaine, mec, il veut pas le faire pas le même. Ils étaient trop nombreux. J'ai manqué de pas le voir. Tellement il était lumineux. Par contre. Fais pas ta pute, tu me le. Eh, t'es sérieux là? Ok. Je vais me faire foutre. T'aurais pu faire l'autre. Feignant. Ces orques vont souffrir. Oh, tu as raison. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Borgu devrait déjà être là. Où il est passé ce move?
Hop là! Ah, c'est pas toi que je voulais! Voici sort! En vain! Bonjour! Ah, mais t'es épique, filou, fauve, stylé, j'adore! J'avais faim aussi! Mais heureusement que t'es venu! Ça sort le trophée en plus! Le mec joue à la PS4! Anti-saut. Oh. Oh. Comment qu'il me cause lui? D'accord. Ah, il me fait chier à faire ça. Peut-être fragile. Bah alors. Allez. Ah, boum! Allez, hop là, tu es à moi, rends-toi! Merde, il ne fait plus le tu es à moi. Oh, il est trop haut niveau. Rabaissé. Je le retrouverai plus tard, y'a pas de soucis. Par contre, cet épisode va être long. Bye bye! Allez! T'es bon. Il nous manque encore des hommes. On doit continuer à chercher. C'est bizarre. Peut-être dans ma tête. Hop là. Bonjour. Vous êtes? Je vous dois la vie. Capitaine Baranor? Karos. Il en reste d'autres? Idril. Elle est vivante. Nous allions aux fosses de combat. Ils nous ont piégés. Elle a filé. Telle que je la connais, elle est partie par là. Ah bah oui. Elle est vivante. Je n'osais l'espérer. Nous la trouverons. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop trop mal. Bon, du coup, point d'aptitude obtenu. Génial. Hop, pardon. Comme à chaque fois, je me trompe. Aptitude. Alors, du coup, normalement, on a tout débloqué. Voilà, tout à fait, on a tout débloqué. Du coup, maintenant, il serait intéressant de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Par exemple, ceci. Domination de capitaine. Ok, ça, c'est quoi? Destruction de partisans. Maintenez pour faire exploser des partisans. Ça m'intéresse pas, ça. Ça, c'est quoi? Impulsion de l'ombre. Ok, ça me rapporte quoi, le niveau 2? Marteau de l'érégion. Ouh. Ah, c'est pas mal, ça. Mmh. D'accord, un souffle de gel. Déflagration finale. Frappe mortelle. Ok. Frappe puissante. Mmh. Ah oui, alors, on peut en avoir qu'un seul. Rage bestiale. Vous pouvez effectuer une exécution. D'accord. Ok. Moi, ce que j'aimerais, c'est. Voilà, chevauchement spectral. Chef de mode, comme vous dites, le chevauchement spectral sur un caragor brisé, l'autre caragor proche sont dominés. Ça, c'est pratique. Chevaucheur de Drake, voilà, c'est ça qui m'intéresserait. Ça, c'est peut-être, ça peut être pratique à l'avenir. Tempête de glace. Appuyez sur. Oui, d'accord, ça, ça peut être intéressant. Le Queen of the Tempête de glace inflige aussi un coup critique. Appuyez sur V pour tous les ennemis dans la zone devant vous. Ouh, un souffle de glace. C'est ça, hein. Pluie de glace. Coup fracassant, ok.
Souffle hivernal, lumière alphique, j'ai également les éléments. Bref, non. Les dagues. Alors attendez, des dagues équilibrantes, d'accord. La mafutée, les lancers de dagues ont une chance d'infliger des coups critiques. Vous pouvez lancer 3 dagues à la suite en appuyant plusieurs reprises, ouais. Puis de lame, lancer 5 dagues à la fin, important. Plusieurs ennemis, d'accord. Détonation, immobilisation. Alors oui, détonation. Voilà, ça peut être intéressant. Je vais prendre celui-là. Ce qui peut m'être enfin de pouvoir faire ce que je veux faire, c'est-à-dire utiliser les feux de camp pour ensuite, vous savez, sans avoir utilisé le bonus. Ok, cool. Bon, du coup les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop!